Je m'appelle Julien Morat, j'habite à Mugron dans les Landes. Donc ici nous sommes en Chalosse. Je suis installé avec mes parents en élevage de gavage de canards et en bovin viande. Pour présenter un peu l'exploitation, nous sommes à peu près sur 70 hectares. Donc environ une trentaine de prairies et le reste en culture. Et la principale production en culture reste le maïs. Ici nous sommes sur des sols qui vont des limonos sableux à très sableux jusqu'à des sols plus lourds à 20% d'argile. Enfin pour nous qui sont plutôt beaucoup plus hydromorphes que les autres. Les pluviomètres annuels sont environ 1200 mm. On les voit souvent, nous avons des épisodes orageux assez intenses et l'année 2018 par exemple sur cette parcelle ici il y a eu de l'érosion entre les rangs de maïs jusqu'à 15 cm quoi. Et c'est ça qui m'a décidé à changer les pratiques. Donc on faisait déjà des couverts depuis un certain temps et là j'ai un objectif de passer tout en semi-direct. Vu que nous sommes apprentis, on va y aller par étapes. Sur les cultures, donc principalement maïs, ensuite on fait un peu de blé, de soja, de tournesol, du sorgho aussi, du seigle, de l'avoine, essentiellement pour produire les semences de couvert et faire rentrer les mauvaises parcelles dans la rotation, vu que quand même l'ensemble des parcelles est plutôt sableuse. Pour compléter là-dessus, au niveau du parcellaire, il est très morcelé. Donc je me retrouve souvent avec des morceaux de 50, 60 arts, voire un hectare. Donc ça se prête souvent à ce genre de pratique. Le fait d'avoir des petites parcelles, j'ai pas besoin de couper les parcelles en deux ni quoi que ce soit pour avoir une nouvelle culture dessus. Donc ça me permet de valoriser dans une rotation. J'ai pas de rotation type. Grosso modo, il me faut 250 tonnes de maïs par an pour les ateliers d'élevage pour l'autonomie alimentaire. On comprend vite que sur 40 hectares de culture, les potentiels en maïs ici sont d'environ 90 quintaux chaque année, en moyenne sur 5 ans. On est quand même obligé d'en faire au moins 30 hectares récoltés en grains pour assurer l'autonomie. Pour en revenir sur les cultures, jusqu'en 2017-2018, on était 100% labour quasiment. Donc l'année 2018 étant ce qu'elle a été, érosion très intense, donc là on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. On est arrivé par endroit au labour, quoi. J'ai un morceau de parcelle qui est arraché sur la profondeur du labour, pas des grandes surfaces heureusement. Mais ça vous fait prendre conscience, c'est quand même que le changement climatique, c'est surtout un accroissement des. Une amplification des phénomènes extrêmes. Vraiment des choses que j'ai jamais vues, quoi. On en a eu ici, mais j'ai vu qu'il y a des endroits où c'était bien pire que ça. On avait déjà découvert, mais qui était simple, principalement à base d'avoine, pour faire simple. Donc on détruisait mécaniquement. Et pour cette année 2019, donc on a refait nos couverts, là quasiment sur toutes les parcelles. Et ce dont on se rend vraiment compte, c'est que la réduction du travail du sol, c'est vraiment réduire le passage d'outils, quoi, le nombre dans l'année. Donc l'année dernière, on a fait en deux passages. Donc on a détruit nos couverts avec un litre de glyphosate ou un litre et demi en fonction du développement. 3 semaines, 1 mois avant semis. Donc c'était fin mars, on avait des avoines qui étaient plus hautes que le genou. Et donc un coup de chisel et un passage vers sa rotative dans la foulée et semis. Donc ça, on a fait ça début mai. On a les semis qui sont étalés à peu près sur 1 mois parce que le parcellaire fait que l'hétérogénéité des terres est importante. Au niveau des pratiques, nous on apporte du fumier à raison de 20 tonnes par an
sur quasiment toutes les parcelles. C'est épandu soit à l'automne, soit au printemps, en fonction des conditions climatiques. Au niveau du désherbage, ensuite, sur les parcelles qui sont travaillées, on est quasiment tous sur des systèmes avec du S-métolachlore, aux doses maximales, parce qu'on a des gros problèmes de graminées, du fait des années de monoculture et de pratiques pas forcément adaptées. Bon, aujourd'hui, en maîtrisant un peu mieux les couverts, je pense qu'on pourra réduire. Souvent, il y a un rattrapage derrière, donc en fonction de chaque parcelle. Si la tendance est aux graminées, il y aura des sulfos. Et sur les parcelles où c'est plutôt des problématiques du cotylédone, on adaptera en fonction de la flore. S'il y a de la mercuriale, ça sera un blême. Et pour les autres cultures, enfin pour les autres dicotylédones, on partira sur les produits plus simples, type benthazone. Pareil, là, on adapte la dose en fonction du développement. On essaye d'attraper les herbes assez tôt, en fonction du stade du maïs aussi, pour pas lui foutre une castagne, quoi. C'est un maïs qui pousse tout le temps, il réussit toujours. Tandis qu'un maïs qui s'arrête dans la végétation, en général, on prend une banane. Ça se voit vite, de toute façon, au printemps, il faut qu'elle avance. Donc, on apporte l'azote en interligne, donc avec des enfouisseurs. On passe à chaque intera, 80. On est sur des doses d'azote à 350 kg durée, donc environ 170 unités. Sur les potentiels, ça correspond à peu près à 90 quintaux. Et s'il pleut un peu, on dépasse très souvent les 100-110 quintaux. Là, cette année, on va être entre, selon les potentiels des parcelles, mais je pense entre 110 et 150 quintaux sur les premières récoltes. Sec, pas vert. On a eu de la chance, on a eu de l'eau tout l'été. Donc, pour les maïs, ça se passe relativement bien en général. Au niveau des autres cultures, quand on parle du tournesol et soja, tournesol, on fait du tournesol linoléique. Donc, on transforme l'huile et le tourteau sur la ferme derrière. On a une huilerie qui tourne à côté. Donc là, on n'a pas droit aux variétés Clearfield parce qu'une partie part en alimentation humaine. Ce sont des règles que nous nous sommes imposées. Donc ça se fait tout du désherbage en post-semis prélevé. Donc toujours notre base S-Méto et Racer. Ensuite, on a l'apport de bore classique et un petit peu d'azote en culture. Au niveau du soja, on fait des groupes 1 voire 0 pour maintenir les potentiels et essayer de récolter tôt parce que les mois d'octobre peuvent être pluvieux. Là, on est sur des itinéraires plus simples où c'est toujours notre base de S-Méto par rapport aux problématiques graminées des monocultures maïs. Et ensuite, on rattrape en fonction. Donc, généralement, c'est pulsar. Soit un passage, soit deux passages, mais comme cette année c'était très compliqué au niveau de la météo, on a eu des grosses amplitudes thermiques, donc j'ai fait un seul passage à 0,4 et j'avais du soja cette année très propre. Les potentiels sont très variables en soja, les mauvaises années on fait du 20 quintaux et l'année dernière et cette année 30 et 40. L'implantation des parcelles fait que les potentiels se retrouvent ou pas. La période importante pour le soja, c'est vraiment à partir de la floraison jusqu'à la maturation. Tant qu'on a de l'eau là, les rendements sont bons. Donc moi maintenant, je ne le mets que sur les meilleures parcelles, c'est celles qui tiennent le plus. En général, en plus, ce sont les parcelles que je sème le plus tard, donc ils démarrent vite. Bon, c'est un coup de poker parce que vu qu'on sème tard, il ne faut pas récolter trop tard. C'est une culture un peu compliquée. Je me suis mis à la semer au semoir à céréales, donc à écartement réduit. Donc cette année, elle était à 15 cm, mais avant, ça marcherait très bien. Quand elle est à maturation, elle sèche d'un coup. Donc la végétation, en moins de 10 jours, elle est toute tombée, elle est sèche. Alors que quand c'était semé à 40 ou à 80, la maturation s'est allée sur 3 semaines, donc on prenait des risques. Tandis que là, je les avais encore verts
Autour du 20 septembre, et j'ai récolté au 5 octobre à peu près, aux normes. Et en plus, en désherbage, ça permet même de couvrir tout le rang. Il y a beaucoup moins de mauvaises herbes. En désherbage, on est beaucoup plus léger. Et le soja s'en porte que mieux. Ensuite, au niveau du sorgho, qu'on fait un peu, c'est surtout destiné à l'ensilage pour les vaches. Ça complète le maïs. Il reste vert, donc pour tasser, c'est mieux. Même quand il fait sec, il reste vert. Donc, au niveau des qualités alimentaires, vu qu'on est beaucoup moins exigeant qu'un bovin laitier, le sorgho a cette souplesse d'utilisation. Et quand on ensile les mauvaises parcelles en maïs, elles peuvent être avancées, donc plus sèches. On met le sorgho par-dessus, ça permet de tenir le silo mieux. Là où c'est intéressant, c'est que sur les mauvaises parcelles, il fait mieux qu'en maïs. Vraiment mieux qu'en maïs. On fait pas d'estimation pesée, mais à la pile, c'est visible, quoi. On sort au moins autant de remorques, voire plus. Et le fait qu'il soit vert, voilà, c'est la conservation du silo sur le long terme, elle est vraiment beaucoup mieux, quoi. Il y a moins de parasitisme. L'intérêt de la culture, vraiment, c'est par rapport à la conservation derrière et les qualités alimentaires qui sont relativement proches du maïs. Pour nous, c'est un atout de mettre autre chose sur d'autres parcelles qui ne vaudraient pas cher. C'est les intrants, c'est la semence. On met entre 200 et 250 kg d'urée. Et au niveau du désherbage, on est aussi plus léger. Donc pour nous, c'est tout bénéfice, quoi. On va pouvoir parler des cultures d'hiver. Donc principalement céréales, c'est celle sur laquelle j'ai un peu de recul. Donc blé et avoine principalement. Là, les itinéraires sont très simples, c'est souvent derrière un maïs. Donc cette année, je vais les faire à la volée ou au semoir combiné directement dans les champs. Je ne vais pas m'embêter. Au niveau du désherbage, je pense qu'il y aura un glyphosate avant semis. Histoire de 1 litre, histoire d'attraper les graminées de l'été et les premières pousses d'hivernale. Là, le sol sera protégé par les chaumes. Moi, des premières expériences que j'ai des semis à la volée, comme sur cette parcelle, ça fonctionne très bien. On a des levées assez homogènes. Je forcerai un petit peu la dose. On sème à peu près 350-400 grains au mètre carré. On a assez peu de tallage. Pour nous, le blé, c'est surtout une culture pour faire de la paille de bonne qualité pour les canards. Parce que là, on recherche une paille saine, assez abondante. Les pailles qu'on trouve sur le marché ne nous correspondent pas toujours. Donc, on essaye de se la faire dans les meilleures conditions possibles, de ne pas se la faire mouiller. Le canard, c'est une volaille extrêmement sensible sur la qualité de la paille. Donc il faut vraiment qu'elle soit réussie, quoi, la paille. C'est presque plus pour la paille que pour le grain. En fertilisation, toujours pareil, on n'apporte que d'azote. On est à 2-3 passages, lui en sortie d'hiver. Souvent azote soufré, on est à 30-40 unités et on complète un deuxième ou troisième passage, à peu près des mêmes doses. Donc on est entre 120 et 150 unités d'azote hectare. On est sur des potentiels relativement faibles ici. Quand on atteint 60 quintaux, les parcelles ne donnent généralement pas plus. On a des grosses pressions fongiques par contre, donc rouille, septo. Ça peut arriver aussi en fusain. Faut quand même qu'on soit assez vigilant, mais on se fait vite avoir. Cette année, j'avais mes parcelles de blé qui étaient couvertes de rouille parce que j'avais la variété sensible. Pas en septo, mais il faudra que je m'améliore là-dessus, me le surveiller un peu mieux. On a eu un mois d'avril très pluvieux, et c'est là où on n'a pas pu forcément passer pour protéger, et on s'est fait avoir. Donc cette année, j'avais 50 quintaux de blé, et 7 tonnes de paille à peu près. J'avais un blé qui était à cette hauteur-là. Pour nous, c'était presque du jamais vu. On a réutilisé une variété plus rustique. Donc moi, j'en étais content par rapport à ça. Au niveau du désherbage, on avait juste notre désherbage à l'automne. On n'a pas été embêté par le reste.
Pour l'avoine, là on s'est posé moins de questions, il y a eu 30 unités d'azote et c'est tout. Avec un blé osseux, t'as pas peur de l'averse? Non, parce que les parcelles sont quasiment toutes protégées par les arbres qu'il y a autour. L'averse, c'est rare, ça se trouve sur les hauts de parcelles. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas protégées. Mais généralement, ça se tient, quoi. C'est rarissime les versants sur les parcelles que j'ai. Comme ici, là, par rapport au vent dominant, c'est tout protégé. Les parcelles qui sont plus loin, quand on a fait un blé, ou celle qui est derrière cette haie d'acacia, c'est pareil, c'est tout protégé par des arbres. Moi, j'ai quasiment que des parcelles en pente, quasiment toutes sont bordées de bois. Et vu la faiblesse des surfaces, il y a quasiment zéro risque, quoi. Donc jamais de régulateur. On essaye d'aller au plus simple parce que pour nous, c'est vraiment des cultures minoritaires, quoi. Tu sélectionnes des variétés à haute paille, soit aussi haut. Ouais. Paille haute, ça reste le principal critère. Et ce que j'ai remarqué, c'est que des pailles très hautes, les pailles qui soient barbues ou pas, déjà une paille barbue, elle est moins appétante pour les sangliers, parce qu'on a aussi des troupeaux de sangliers qui se baladent. J'avais utilisé jusqu'à présent des pailles non barbues. Les sangliers et chevreuils s'y promenaient à cœur joie. Et le fait d'utiliser une paille barbue comme cette année, finalement, ils y sont moins. Et deuxième avantage avec une paille haute, c'est qu'il y a beaucoup moins de barbe en fonction, par rapport à la paille. Donc finalement, pour les canards, ça se voit pas, quoi. Ça, c'est aussi bien. Le fait d'avoir beaucoup de paille, c'est la barbe est diluée, donc il n'y a pas d'irritation au niveau des yeux. Et même pour nous, pour pailler, vu qu'on paille à la main, c'est pas problématique, quoi. Alors qu'avec des pailles courtes, c'est irritant pour les canards et pour le pailleur. Au niveau des couverts, on est parti sur des choses simples au départ. Aujourd'hui, sur les parcelles en TCS, on est en avoine, Faverolles, radis. Et sur les parcelles que je convertis en semi-direct, sur les couverts d'hiver, ça sera du multi-espèces, donc où on aura cette base avoine, Faverolles, radis. Où là, j'aurai deux sortes de radis fourragés et chinois. Et ensuite, sur les légumineuses, je rajoute de l'avesse et du trèfle. Et un peu de facélie. Et pour compléter l'avoine, je mets du seigle. Donc pour les couverts, pour l'instant, je fais deux types de couverts. L'un pour TCS et l'autre pour semi-direct. Donc pour les couverts TCS, je fais assez simple, avoine Faverolles. Avec un peu de radis si c'est semé assez tôt. Bon, là, je ne vais plus en semer parce que c'est trop tard. J'ai remarqué qu'après le 15 octobre, les radis ils font quasiment plus rien. À quelques jours près, ça, j'ai pu voir l'exemple l'année dernière, donc la longueur des jours fait que ils se développent moins. Donc avoine Faverolles en base. La Faverolles semée à la volée. L'avoine, cette année, je vais la semer avec un vieux nodé devant et derrière, je recouvre à la herse, dans les chaumes. Je travaille quasiment pas la terre, voire pas du tout. Et ça lève très bien parce qu'on a de l'humidité. Donc avoine 50 kg et Faverolles entre 80 et 100. Faverolles d'hiver. La Faverolles n'est pas enterrée, elle est sur les premiers centimètres et dans les chaumes. Vu qu'on a quand même des pailles importantes en maïs, ça lève sans problème, quoi. Ensuite, pour les parcelles en semi-direct en maïs, bon, pour l'instant, on fait simple. On ne développe pas encore tout. Donc ici, j'en ai une parcelle, c'est l'une des premières que j'ai faites. Donc rendement en semi-direct, variété 92-34. J'étais à 86 quintaux ici. Bon, on est un peu déçu, mais la floraison est intervenue trop tôt par rapport à l'indice plus tardif, semé à la même date. Cette parcelle en semi-direct a reçu sur les premières pluies entre 20 et 30 mm de moins que les parcelles que j'ai un peu plus loin. Et vu qu'elle est arrivée trop tôt, j'ai le rendement qui a chuté. J'avais pas assez de pieds, donc on apprendra de nos erreurs pour l'année prochaine. Mais bon, je suis plus ou moins satisfait parce que je m'attendais à faire à peu près ça pour une première année. Et finalement, bon, ça se confirme. Il y en a qui ont mieux réussi que moi.
J'ai essayé quelques erreurs de peuplement, de variété, aussi de fertilisation. On a remarqué que ça manquait de soufre, vu qu'on ne travaillait pas le sol. Donc l'année prochaine, on rapportera plus de soufre. Et ensuite, pour les couverts, sur les couverts semi-directs, je fais un peu plus diversifié. Donc là, je suis sur une févrole à 130 kg, avoine et seigle à 30 kg chacun. Ensuite, je complète avec du radis fourragé chinois à 1,5 kg chacun respectivement. Je mets 500 g de faceli pour histoire de compléter. Je rajoute 15 kg de vesse, 10 kg de vesse commune et 5 kg de vesse de Cerdagne. Et ensuite, j'avais du trèfle incarnat à 5 kg. Trèfle incarnat, c'est bien et c'est pas bien. Le problème, c'est que en biomasse, c'est pas très intéressant. Ça a quand même l'avantage de démarrer tard et d'avoir une belle diversité. Pour l'aspect visuel, c'est quand même intéressant. Après, les abeilles s'y promènent bien, donc ça permet de ramener de la biodiversité. La problématique des couverts végétaux ici, c'est que sur des parcelles sableuses, quand on arrive au printemps, mois d'avril, mai, ça sèche très vite. Donc pour semer dans le vert, semer en mai dans le vert, c'est quasiment impossible. On verra avec le temps comment ça évolue, mais là pour cette année, j'ai été obligé de les détruire fin mars parce que on a eu mois de février-mars qui était très sec et on commence à craindre pour les semis. Il n'y avait pas de pluie annoncée, finalement elle est arrivée, mais on les a détruits donc fin mars. Ils étaient à peu près au niveau de la taille. L'année dernière, je n'avais pas assez dense et là cette année, en semant beaucoup plus fort, à plus de 200 kg, déjà c'est mieux fourni. Et on verra, mais normalement ça doit être mieux réussi. Donc pour l'implantation, c'est pour les premières années, on va faire simple. Donc ce sont des semis à la volée. Et c'est recouvert à l'air dans les chaumes, sans toucher la terre. Et bon, là les levées sont quand même plutôt homogènes, quasiment tout lève. Il y a les févroles qui sont un peu en retard, qui mériteraient d'être enterrées sur les 3 premiers centimètres. Mais elles ont germé quasiment toutes à 100%. Donc, elles vont arriver. Si elles gèlent, vu le risque gel ici qui n'est pas important, je ne suis pas trop inquiet. Mais il y a assez de densité autour pour compléter, quoi. Le premier objectif de ces couverts multi-espèces, vu qu'on a des sols qui se prennent en masse, c'est de maintenir les structures surtout. Donc les passages dans les meilleures conditions possibles. On est pris par cette problématique de pluviométrie. Quand il commence à pleuvoir 30-40 mm, faut savoir être patient. Mais ce que je remarque quand même, c'est que dès la première année sans travail du sol, finalement, c'est les parcelles qui portent le mieux de suite, quoi. Je suis repassé jeudi à pied. Il venait de pleuvoir 30 ou 40 mm sur la nuit de mardi à mercredi. Dès le jeudi, on passait avec les chaussures de ville sans que ça colle aux chaussures, quoi. Les premiers changements sont flagrants, quoi. La diversité des espèces, c'est aussi pour explorer tout l'horizon du sol. Ramener de la biodiversité, c'est qu'elle soit aérienne ou souterraine, il n'y a pas de question, quoi. Ça se voit de suite. On est vraiment surpris par l'exploration des horizons, quoi. Ça suit les galeries de vers de terre, c'est l'espace qui était travaillé avant est déjà quasiment tout colonisé par les racines en quelques semaines. Et ensuite, c'est en dessous, quoi. On travaillait les sols entre 20 et 25 cm et c'est en dessous, casser ces semelles de travail du sol, quelles qu'elles soient, ça prend du temps et c'est pas les outils qui le résoudront, mais avec le travail biologique, ça se fera assez vite, quoi. C'est le fait d'avoir maintenu
un peu d'activité microbienne et de vers de terre avec les fumiers, ça fait pas tout, mais c'est vrai que ça aide. Je vois les parcelles qui n'en ont pas eu, que j'ai récupérées dans le temps, qui avaient des historiques minables sur nos monocultures maïs sans jamais d'apport de matière organique, qu'il soit végétale ou animale. C'est très très long à redémarrer, quoi. Donc là, sur les parcelles historiques, bon, ça démarre bien, quoi. J'espère qu'on est sur de bonnes bases, qu'on n'aura pas besoin de repasser d'outils. On va rester vigilant, on fait des profils avec des fourches lève-palette. Bon, la méthode a ses limites, mais ça permet d'avoir un aperçu de l'enracinement et de l'activité. Bon, c'est flagrant, quoi. Ensuite, au niveau des couverts d'été, jusqu'à présent, je les ai implantés en TCS. Donc, on a des températures quand même très élevées. On arrive à récolter tôt, mais vu que ce sont les journées les plus longues, malgré la pluie, les parcelles sèchent très vite. Vu que souvent, ce sont aussi les parcelles les plus sableuses qui sont en culture d'hiver. Donc, en moins de 24 heures, je peux avoir l'horizon de 5 cm qui va être asséché. Là, cette année, sur les parcelles de culture d'hiver, donc toujours pareil, un coup de dent pour essayer de remonter un peu de fraîcheur. Je l'ai fait le soir et le lendemain matin, c'était semé et roulé. Et j'avais trois parcelles, sur les trois, j'en ai une qui est, on va dire, ratée pour 2 heures de temps. Le fait de ne pas avoir pu rouler assez tôt, il aurait même fallu rouler deux fois. Je me suis fait avoir. Sur les deux premières parcelles, c'est plutôt pas mal. On arrive sur des biomasses à entre 30 et 40 tonnes de matière verte, voire plus à la graine, quoi. Donc on est sur plus de 15 tonnes de matière sèche. Là, on est sur des couverts qui sont diversifiés aussi. Donc sorgho à 22 kg. Tournesol, bon, j'en ai pas mis assez, ça a été mon erreur, mais cette année je vais en mettre plus. Là j'étais à 3 kg, clairement j'en avais pas assez sur la semence de ferme, quoi. J'avais un peu de soja aussi, les fonds de sac que j'avais de semence, donc c'était quelques kilos. J'avais du radis et de la veste et un peu de faceli. La veste, elle était à 15 kg, faceli à 700 g et les radis à 3 kg, 1,5 kg chacun, fourrager et chinois. Ça a quand même un intérêt d'avoir cette diversité, on le voit de suite, quoi. Les abeilles s'y promènent dès les premières fleurs des radis fourragés. Les autres viendront plus tard. Il y a les tournesols qui sont là, qui s'implantent tous plus ou moins bien, donc qui se développent à divers stades. C'est toutes ces périodes étalées, ça maintient le couvert avec des fleurs jusqu'à début novembre. Donc c'est plutôt pas mal. L'année prochaine, je vais rajouter beaucoup plus de tournesol. Et je suis en train de me fabriquer un semoir à dents pour justement réussir ces implantations. Parce que jusqu'à présent, j'avais que des semoirs à disques disponibles, qui étaient en Cuma, qui se baladent sur tout le département. Bon, personnellement, ça ne me convient pas. Ensuite, j'ai aussi un problème de taille de parcelle, vu que ce sont des semoirs traînés. J'ai des problèmes de compaction sur les tours, donc voilà, moi je suis sur du porté. Je remarque que les solutions les plus simples sont les meilleures finalement. Donc je suis en train de me fabriquer ce semoir à dents. L'année prochaine, donc je verrai bien les premiers résultats. Mais de ce que j'ai pu voir ailleurs, ça fonctionne partout. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Moi, je crois vraiment à ces couverts d'été parce qu'ils ont des biomasses importantes et une diversité qui est tout aussi intéressante pour le sol. Et surtout, on arrive sur des plantes avec les climats qu'on a ici. Souvent, on a quand même un peu d'eau l'été, donc ils poussent quasiment sans rien, quoi. Ça permet de ramener les effluents d'élevage à d'autres périodes. Par rapport aux capacités de stockage actuelles, on passe quasiment toute l'année partout. L'intérêt, c'est vraiment voilà, cette diversité de cultures fait que on peut ramener partout sans se poser des questions malgré la zone vulnérable. C'est un contexte
qui rajoute des contraintes administratives, et le fait d'avoir ces diversités-là de culture et de couvert nous permet vraiment de d'en apporter partout. Il n'y a quasiment pas de parcelles qui soient sans apport de matériaux animaux, quoi. Autre point par rapport au couvert, donc sur les couverts d'été, généralement j'essaie de faire un deuxième couvert d'hiver. Alors je suis apprenti encore, donc l'année dernière j'ai pas réussi du tout. J'ai essayé de semer à la volée, on avait fauché les couverts d'été pour alimenter les vaches parce qu'on avait on était un peu court en fourrage. Et donc cette année on en a largement de reste, donc les couverts sont restés en place, donc avec des biomasses intéressantes, et je vais essayer de ressemer un couvert d'hiver dedans. Vu l'importance de la biomasse, je vais essayer de semer avec un semoir monograine de la Féverolle ou du Lupin pour expérimenter dedans. Sinon, la troisième parcelle qui n'est pas très réussie, bon, il y a quand même un peu de couvert. Je vais la laisser comme ça pour voir ce que ça donne. Donc j'aurai trois situations. La Féverolle en pur, le Lupin en pur à 130-140 kg chacun. Et la dernière parcelle qui sera laissée comme ça. J'aurais aimé y mettre plus de choses, mais je ne suis pas encore équipé pour semer autrement. Les conditions ne me permettent pas de complexifier le mélange, quoi. Je vais essayer d'y mettre un peu de graminée dedans, de l'avoine simple pour essayer, mais sans me focaliser là-dessus, quoi. J'ai déjà une belle biomasse de graminée. Si je complète par une légumineuse cet hiver, je pense que ça sera déjà pas mal. Si elle arrive à pousser, faire son cycle, l'expérience sera satisfaisante à mon avis. Alors du lupin par rapport à la rusticité, c'est du lupin jaune. On va essayer, on sait que la Féverolle pousse, mais on essaie de trouver une alternative aussi à la Féverolle pour changer, pour ajouter un nouveau système racinaire dans le sol et une nouvelle plante. Chaque plante est différente. Moi je suis un anti-couvert mono-espèce, j'en vois pas du tout l'intérêt, c'est essayer de trouver du lupin, pourquoi pas. Le système racinaire est vraiment intéressant, la partie aérienne un peu moins, c'est chaque plante a ses avantages et inconvénients. Le problème ici c'est que il y a beaucoup de Féverolle qui est revenu, et je suis partisan des systèmes durables, la monoculture, qu'elle soit de maïs ou de Féverolle, même si ça reste une culture relativement facile à mener en monoculture, le maïs, je préfère vraiment diversifier les espèces, quoi. L'intérêt n'est plus à démontrer, quoi. Alors, couvert permanent, je vais être prudent là-dessus, j'ai pas d'irrigation pour assurer les levées. Nous ici on peut avoir des contextes très changeants avec des sols qui s'assèchent très vite. Les couverts permanents il faut quand même les maîtriser, et ça reste de l'épicerie, quoi. Alors c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai déjà pas mal de temps à passer à l'élevage et au gavage. Le fait d'être éleveur-gaveur, on est en autarcie, on a cette contrainte de temps. Moi j'ai 4 heures par jour qui sont prises au gavage, donc il faut que j'essaye quand même de simplifier certaines choses. Et les couverts permanents, ça reste une nouvelle contrainte à gérer. Chose qu'il n'y a pas les couverts annuels, qui sont entre guillemets plus simples à gérer, quoi. J'ai les couverts permanents qui fonctionneraient bien, je pense. Le chien dedans, c'est très bien, mais c'est malheureusement une espèce dont il n'est pas facile de se débarrasser. Mais voilà, c'est... C'est quelque chose qui serait intéressant. Je pense à de la luzerne comme ça, mais c'est le problème ici, c'est que vu les quantités qu'on prend, j'ai pas de parcelle assez saine pour de la luzerne, par exemple. Et les céréales étant une culture minoritaire ici, bon, je suis pas encore prêt à tenter, quoi. Alors, non, pour le tournesol, je suis en TCS. Je sais pas si je vais l'expérimenter l'année prochaine, j'aimerais bien y arriver. Apparemment ce n'est pas simple. On a des premiers retours là-dessus qui fonctionneraient.
Je pense que je me laisserai à petit contexte en semi-direct, avec les préconisations qui nous ont été données. J'aimerais bien y arriver quand même, le tournesol, c'est, ça m'intéresse parce que c'est quand même intéressant dans la rotation. Et puis moi j'ai pas mal de parcelles qui permettraient de le valoriser. Donc sur des potentiels entre 20 et 30, 35 quintaux. Donc le tournesol pour moi c'est une culture intéressante, vu qu'on l'autoconsomme aussi, au même titre que le maïs et le reste. Le tournesol, donc on récupère l'huile pour les canards pour gaver, le tourteau pour les vaches, pour la protéine. Donc ça m'embête de l'enlever. Donc pour l'instant je suis en TCS. J'ai mon père qui n'est pas encore chaud bouillant pour faire que du semi-direct, donc ça me dérange pas plus que ça pour l'instant par rapport à certaines cultures, parce qu'on n'est pas forcément équipé et on manque de recul dessus. Donc ça permet encore de continuer à faire des cultures qui ne sont pas forcément simples à faire en semi-direct, comme le tournesol. Nous on a l'Acuma à Mugron qui triture la graine, donc sur une presse mécanique, on récupère l'huile pour le gavage. La valorisation est liée, quoi. C'est, nous on valorise la graine, si on devait acheter l'équivalent, on est à autour de 500 rotondes, quoi. Donc en conventionnel, c'est plutôt pas mal, quoi. Si on devait acheter l'équivalent, mais voilà, c'est intéressant de l'avoir dans la rotation, quoi. On a des parcelles qui ne valoriseraient pas forcément maïs à côté. Un tournesol, voilà, ça permet d'avoir de la rotation, de mettre autre chose, de faire entrer aussi des cultures pour semences, pour couverts. Tout ça dans l'ensemble fait que, bien qu'il y ait des parcelles en monoculture de maïs, depuis X années, les rendements n'ont jamais décroché. Mais cette problématique graminée reste importante. Elle est surtout sur les parcelles les plus soumises à l'érosion, donc tous les enjeux sont là-dedans, dans la complémentarité entre couvert et culture et potentiel des parcelles. Moi je suis pas partisan encore de tout passer en semi-direct par rapport à ça, mais vraiment j'espère y arriver, quoi. Donc la fertilisation azotée par rapport à l'urée, aujourd'hui bon, il y a la question du prix. Il y a aussi la question de la simplicité. Sur les parcelles en TCS, vu qu'on les enfouit l'urée, il n'y a pas de volatilisation. Et bon, ça permet de faire minage avec tous les inconvénients qu'il y a derrière de l'érosion, vu que ce sont quasiment que des pentes. Ça ne pose pas de problème par rapport à la volatilisation. Ensuite, bon, je pense que l'urée, c'est la forme la plus proche de l'azote organique. C'est pas parfait, mais c'est pas un mal non plus. Après, il y a moins de lessivage par rapport à un ammonitrate, vu qu'on a quand même des quantités de plus importantes. Reste ce problème de l'érosion, on essaye quand même d'être vigilant là-dessus. Ça reste vraiment la question du coût, quoi. L'ammonitrate, ça reste cher en maïs, quoi. On est déjà sur des charges importantes. Sur les intrants, hors séchage, on est à 500 hectares. Alors au niveau de la semence, en maïs, on est en 100% hybride. Donc on achète 100%. Le tournesol, les variétés sont choisies pour l'huilerie. Ensuite en soja, je vais essayer de me garder la semence cette année. Donc en soja, j'avais jusqu'à présent pas trouvé de variétés qui me conviennent. Bon, cette année, je suis plutôt convaincu par celle que j'ai. Patriote, assez productive, avec un bon taux de protéines. Donc, de ce point de vue-là, je vais essayer de continuer avec. Ensuite, en sorgho, c'est une variété hybride aussi. On est sur un mix de fourrage et grains, donc avec des hauteurs de végétation autour de 2 mètres. Donc, une valeur en abidon qui reste intéressante pour l'énergie. Ensuite en blé, maintenant je vais être sur la semence de ferme, en avoine la semence de ferme. Après quasiment tout le reste, je vais essayer de me l'autoproduire, donc Fevrol et Vess. Et pour les semences de couvert, les petites graines type radis ou trèfle ou facélie,
J'ai déjà assez de temps à passer au champ sans me préoccuper de nouvelles espèces. Donc là, j'achète. À terme, j'aimerais bien essayer d'avoir un peu de maïs population, principalement pour expérimentation. Essayer, pourquoi pas, un jour d'en avoir une partie plus ou moins importante de la surface. Mais pour ça, voilà, il faut avoir un peu de recul dessus. J'ai pas envie de. Aujourd'hui, je me lance pas, mais j'espère d'ici moins de 5 ans m'y mettre pour essayer de sélectionner au moins une population qui me convienne, quoi. Il y a quelques épigéanes ici, quoi. Et de voir cette couleur noire, ça me rassure quelque part. Ça veut dire que ça fonctionne. Hein. Voilà, j'espère que l'avenir nous donnera raison. T'as combien de matière organique dans tes sols ? 1,5. C'est vrai, j'en ai pas parlé. On est sur des sols à 1,5 de matière organique. D'accord. Malgré les apports de fumier et de maïs, les taux de matière organique ont continué à baisser. D'accord. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais voilà, les sols là ici, la dernière analyse, elle est de 2017, elle est à 1,5 je crois. Malgré les couverts à 15 tonnes de... Non, c'est le début. Non, c'est que le début, là. D'accord. En maïs, on est sur les maïs ici. L'année dernière, j'ai fait 70 quintaux, mais j'avais bouffé par le sanglier. En 2017, on a fait 117. C'est à la côté 116. Et en dessous, elle est bien meilleure. Et c'est quand même décevant, entre guillemets, d'avoir apporté tout ce fumier... d'avoir des maïs avec quand même des biomasses à la fin qui sont quand même importantes, parce que ici des maïs de moins de 3,50 m, ça c'est pas courant, on va dire. Mais voir les taux de matière organique continuer à baisser, c'est quelque chose à laquelle on n'a entre guillemets jamais prêté attention. Quoi. Ça c'était une vigne, bon le contexte est particulier, mais faut être pragmatique. Quoi. Aujourd'hui, on peut pas continuer à... avant le taux de matière organique baissé, sans rien faire, quoi. Donc là, moi, je pense que faire une prochaine analyse d'ici 2021, je pense. Voir déjà les premiers effets. Je compte pas retravailler, pour la simple et bonne raison que ces premières parcelles-là. Moi, j'ai envie qu'elles me servent d'expérience pour la suite.